On aimerait croire qu'une innovation remarquable apporte à son auteur une compensation financière ou à tout le moins une place dans l'histoire. Vous serez scandalisé d'apprendre l'histoire de cet homme dont les inventions ont révolutionné notre vie et qui est pratiquement tombé dans l'oubli. Au début du XXe siècle, Nikola Tesla, immigré serbe et inventeur de métier dont le nom a presque été oublié, propulsera notre civilisation dans une nouvelle ère. On lui doit le courant alternatif, la radio, le tube fluorescent, le contrôle à distance ainsi que la robotique. Cet homme aura fait breveter 700 inventions. Le 7 janvier 1943, à environ 22h30, alors que le monde est engagé dans une lutte à finir contre les forces du mal nazi, Nikola Tesla rend son dernier souffle. Il meurt seul dans une petite chambre de l'hôtel New Yorker. À l'extérieur, la ville bat son plein et luit de tous ses feux. Tesla aura légué au monde son invention la plus fascinante, l'électricité alimentée par courant alternatif. Il était très conscient de l'impact et des conséquences qu'allaient avoir ses inventions sur la civilisation. Tesla aura été reconduit à sa dernière demeure sans que le monde lui accorde les hommages dus au géant qu'il était et dont les découvertes sont toujours au cœur des plus importantes recherches scientifiques. Il est l'un des plus grands génies du 19e siècle. Edison était un scientifique en avance sur son temps, mais Tesla le surpassait à tous les égards. C'était un solitaire. Il faisait ses recherches de façon indépendante, hors des circuits scientifiques. Les gens dits normaux devaient le considérer comme un excentrique. Il a donné à notre pays un lot immense d'inventions, riches en applications technologiques de toutes sortes. Il a transformé nos vies. Collectivement, nous avons amélioré notre sort grâce à lui. Pourquoi un personnage d'une telle stature a-t-il été si peu reconnu par ses pairs et par le public? Probablement à cause de l'envergure et de la complexité de ses travaux inachevés, dont la portée a été perçue différemment par ses contemporains. La légende veut que Nikola Tesla soit né sur le coup de minuit en 1856, durant un orage particulièrement violent. Sa plus grande aspiration, alors qu'il est un jeune homme, est de harnacher l'énergie des chutes Niagara. Il réalise son rêve et impose le courant alternatif. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après sa mort, le mystère entourant Tesla demeure entier. Pourquoi ses contributions à la science, nombreuses et éblouissantes, ont-elles sombré dans l'oubli ? Philanthrope, doté d'un grand amour pour son pays d'adoption, Nikola Tesla est bien sûr surtout un génie à l'imagination débridée, qui correspond à l'idée que l'on se fait du scientifique un peu fou, dont le plus grand crime aura été d'être trop en avance sur son temps. Fils d'un pasteur très strict et d'une mère brillante et inventive, Tesla, un Serbe, grandit dans un petit village de Croatie. Doté d'une mémoire photographique exceptionnelle dès l'âge de 18 ans, il maîtrise 6 langues et commence à être reconnu comme un inventeur de haut calibre. Il possède un talent incroyable, celui de visualiser ses inventions. Il peut voir chaque élément d'une invention, les assembler, en vérifier le fonctionnement, y apporter des correctifs et tout ce processus se déroule dans sa tête, même pendant qu'il dort. Depuis sa tendre enfance, Tesla était capable de visualiser des objets de façon si intense qu'il ne pouvait pas faire la différence entre un objet réel et le fruit de son imagination. En 1884, Nikola Tesla émigre aux États-Unis. Sans le sou, il se présente à Thomas Edison qui l'embauche immédiatement. Okay, Tesla, consider yourself introduced. Lorsque Tesla décrit à Edison son projet sur le courant alternatif et son système de moteur à courant polyphasé, beaucoup plus efficace que le système à courant continu d'Edison, ce dernier commence à voir en Tesla un dangereux compétiteur. Même si le système était meilleur que le sien, Edison ne supportait pas d'être déclassé. Les gens très compétitifs sont ainsi faits. Ils vont chercher à se détruire.
Un prix est offert à quiconque réussit à harnacher et à transmettre l'énergie hydraulique de Niagara Falls à Buffalo, dans l'État de New York. Edison s'emploie à discréditer Tesla et son courant alternatif. Alternating current is a danger to human life. Start the generator. You have just seen alternating current in action. Malgré l'opposition d'Edison, le système de courant alternatif proposé par Tesla est adopté. En mai 1888, George Westinghouse entend parler de ce remarquable inventeur et achète les brevets du courant alternatif. Dès 1897, le nom de Tesla et celui du courant alternatif deviennent connus dans les foyers du monde entier. Ils savaient ce que l'implantation du courant alternatif et l'électrification signifiaient pour le monde entier, les changements draconiens que ces inventions apporteraient à la vie quotidienne, à l'information en général et même à l'état mental des êtres humains. Malgré sa nouvelle notoriété, Tesla reste toujours avant tout un inventeur et un visionnaire de génie. Il ne cherche pas à tirer profit de ses inventions. Ses percées remarquables dans le domaine de l'électricité à haute fréquence, incluant le radar, la radio, le néon et les tubes fluorescents, seront souvent attribuées à d'autres. Par exemple, le système pour prendre des clichés photographiques au moyen du rayon X inventé par Tesla précède les travaux de Wilhelm Röntgen. L'imagination fertile de Tesla lui fait entrevoir la possibilité d'Internet et de la télévision des décennies avant tout le monde. Malgré ses sauts dans le futur qui se sont avérés vrais, la tendance de Tesla à l'exagération et sa façon de présenter ses idées à la presse le desserviront et lui vaudront beaucoup de critiques. We must be able to transmit scenes from other places over long distances. Pictures, the news, energy. Why not matter too? Now we must liberate thought. We must set it free of limitations that space and time impose on it, and yet keep its principal characteristics. Now and in future centuries. Mystérieux et flamboyant, Tesla est toujours ravi de partager ses idées avec le monde entier. Il exécute ses expériences de laboratoire devant des sommités et amis comme Mark Twain. Cet homme était capable de frayer avec les personnalités les plus en vue du monde. À l'époque, il fréquentait Mark Twain, Westinghouse, J.P. Morgan, et grâce à ses relations, il était en mesure de financer les expériences les plus spectaculaires de l'histoire. Pour épater la galerie, Tesla s'assoit dans son laboratoire au milieu d'éclairs électriques qui virevoltent autour de lui. Sans l'aide d'aucun fil conducteur, ces étincelles flottantes alimentent un tube que Tesla tient dans ses mains. Tesla était le premier à démontrer comment l'énergie se transmettait à travers l'air et pouvait allumer une ampoule ou un tube électrique. Les tubes fluorescents qu'il utilisait s'allumaient à différentes fréquences, donc, lorsqu'une certaine fréquence était utilisée, elle produisait de l'électricité dans un certain groupe de tubes et une autre fréquence allumait d'autres tubes. En 1898, alors que Tesla peaufine son brevet sur la transmission de la radio sans fil, son laboratoire brûle mystérieusement. L'incendie réduit en cendres le labeur de milliers d'heures de travail, ramenant l'inventeur des années en arrière et lui coûtant personnellement plus $1 million. Tesla est horrifié par l'étendue des dommages, mais comme il est un homme qui ne s'avoue pas facilement vaincu, il reprend ses recherches à zéro, secondé dans cette tâche par ses remarquables habiletés mentales. En 1899, Tesla emménage à Colorado Springs et poursuit ses expériences sur les ondes terrestres et atmosphériques. Trouver de nouvelles formes d'énergie gratuites à la surface du sol comme dans les airs demeure sa grande passion. Alors qu'il étudie un phénomène connu sous le nom de la résonance Schumann, il élabore une théorie pour utiliser des nouvelles sources d'énergie illimitées qui profiteraient à tous les humains de la Terre. Il existe autour de la Terre une cavité qui résonne à environ 8 cycles par seconde. Cette cavité est comprise dans l'espace entre le sol que nous foulons et l'ionosphère. Cette bande, qui fait environ 60 km, est une caisse de résonance tridimensionnelle dans laquelle on peut transmettre de l'énergie électromagnétique de 8 Hz sans presque aucune atténuation. La résonance Schumann tire ses mégawatts d'énergie des éclairs qui se produisent plusieurs fois par seconde
partout dans le monde. C'est à peu près comme un enfant qui tiendrait un ballon retenu par une corde. Tesla était si créatif qu'il projetait d'utiliser son émetteur d'énergie pour frapper le ballon d'électricité avec une pulsation électrique qui répartirait cette énergie dans l'ionosphère. Et au moment précis où l'énergie arriverait de l'autre côté de la Terre, Tesla aurait envoyé une autre pulsation électrique, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'énergie accumulée devienne si importante qu'elle puisse être captée par une antenne appropriée. Tesla avait le projet de distribuer l'électricité à tous les humains de la Terre. À l'époque, il y avait 2 ou 3 milliards d'humains sur la Terre qui, le soir venu, vivaient dans le noir. Nous avions l'électricité, mais les gens pauvres n'en disposaient pas. Tesla avait constaté que le monde était divisé en deux, ceux qui avaient accès à l'électricité et ceux qui n'y avaient pas accès, et il voulait que tous, sans exception, reçoivent l'électricité en cadeau. C'est à Colorado Springs que Tesla met au point la technologie qui lui permet de produire des courants à très haute tension. Lorsqu'il met l'interrupteur en marche, les éclairs qui apparaissent dans son laboratoire sont retransmis à l'antenne et à la boule de cuivre qui la surmonte. D'immenses éclairs bleus s'échappent alors vers le ciel et atteignent plus de 30 mètres. Le tonnerre provoqué par ces éclairs s'entend à 25 km à la ronde. Pour Tesla, c'est un couronnement. De la foudre fabriquée par l'homme. À Colorado Springs, il avait un transformateur de 56 kV que George Westinghouse lui avait donné et qui pouvait atteindre 55 000 volts. Il s'est servi d'un émetteur pour augmenter la puissance de ce transformateur et a si bien réussi qu'il a fait sauter quelques génératrices de la centrale de Colorado Springs, située à 40 km plus loin. On a cru tout d'abord qu'il avait tiré tellement d'énergie de la centrale électrique que les génératrices avaient sauté. Mais aujourd'hui, on pense plutôt qu'il avait capté de l'énergie dans l'air ambiant, à haute altitude, et que cette énergie a été reconduite dans ses génératrices. Comme on ne peut pas réintroduire de l'énergie électrique dans des génératrices sans faire fondre les circuits, bref, on a refusé de leur vendre de l'électricité tant que Tesla et son assistant n'auraient pas réparé les génératrices. Tesla conclut que les courants d'énergie de la Terre peuvent être utilisés pour transmettre de l'électricité n'importe où sur la planète. Dans des expériences de laboratoire, il démontre que des ampoules électriques sans fil peuvent être alimentées par une source d'énergie située à plusieurs kilomètres du laboratoire. Ces expériences ouvrent la porte à une multitude de possibilités beaucoup plus sinistres. La fréquence des ondes alpha du cerveau humain se situe entre 6 et 8 Hz. La résonance de Schumann vibre à une fréquence entre 6 et 8 Hz. Tous les organismes se situent à l'intérieur de cette même fréquence. Donc, le cerveau, la Terre et tous les organismes vivants ont la même résonance électrique, entre 6 et 8 Hz. En contrôlant cette fameuse fréquence de façon électronique, on peut influencer les ondes cérébrales de l'humanité entière. Conscient des conséquences terribles que sa découverte pouvait avoir, Tesla décide de la mettre en veilleuse. Suite à ses expériences qui s'avèrent plus que concluantes, Tesla décide de quitter Colorado Springs et de revenir à New York. À la recherche de financement, il fraye alors dans le monde de la haute finance, où il fait la connaissance du richissime banquier J.P. Morgan. Ce dernier se laisse vite convaincre par Tesla, qu'il connaît de réputation, d'investir dans un système de diffusion à l'échelle mondiale qui rapportera des millions. L'homme d'affaires décide d'investir 150 000 $. Même s'il doit concéder 51% de sa propriété intellectuelle sur l'invention de la radio à J.P. Morgan, en 1900, Tesla entreprend la construction de la légendaire tour de Warden Cliff. Tesla voulait prouver que l'énergie se retransmettait par ondes radio. Tesla avait convaincu ses investisseurs, mais c'était l'électricité qui l'intéressait avant tout.
Alors que la tour est en construction, Tesla apprend que Guglielmo Marconi vient de retransmettre des ondes radio à travers l'Atlantique. Morgan menace de se retirer du projet. Loin de s'avouer vaincu, Tesla transforme le projet de la tour Wardenclyffe en un projet encore plus ambitieux. Il convainc Morgan qu'il peut ériger un système de tours qui lui permettra de capter l'énergie de l'ionosphère. Ces antennes géantes rendront possible la réalisation de son vieux rêve, celui de pouvoir transmettre l'électricité sans fil partout dans le monde, en d'autres mots, de l'énergie gratuite pour tous. Tesla a été traité de fou parce qu'il disait pouvoir générer de l'électricité sans carburant, sans énergie solaire et sans énergie éolienne. Et il le pouvait. C'était bien sûr quelque chose que les compagnies pétrolières voulaient empêcher à tout prix. Tesla était aussi capable de transmettre de l'énergie électrique sans fil à travers l'atmosphère. Morgan a mis fin au projet lorsque les conséquences commerciales sont apparues. Ne voyant aucun profit à retirer des installations de Tesla et convaincu que Marconi monopoliserait la radio, Morgan se retire. Ironiquement, 40 ans plus tard, la Cour suprême des États-Unis déclare que Marconi s'est servi des brevets déjà détenus par Tesla pour mettre au point sa technologie de la radio. Tesla est reconnu pour être l'inventeur de la transmission sans fil. Certains croient que le fiasco de Wardenclyffe n'est pas qu'une affaire d'argent. Ils soutiennent que Tesla lui-même aurait sabordé son projet de peur qu'il ne tombe entre les mains de gens peu scrupuleux, causant ainsi plus de mal que de bien aux hommes et à la planète. Même si à la fin, Morgan a coupé les fonds pour le projet de la tour Wardenclyffe, je pense que ce projet n'a pas été stoppé par manque d'argent. Tesla y a mis fin parce que ses idées pouvaient servir à des fins militaires. C'est probablement la décision la plus sage qu'un scientifique peut prendre. Pour la première fois, Tesla reconnaît dans un article publié dans le New York Times que Wardenclyffe pouvait être utilisé pour abattre des avions. Il a fait marche arrière avant qu'une catastrophe dont il aurait été responsable se produise. Parce qu'en étant capable de soutirer et de diriger l'énergie de l'ionosphère, quelques 2 milliards de volts, il était en mesure de détruire une ville, une arme encore plus dévastatrice que la bombe atomique. Tesla a-t-il découvert l'arme de destruction ultime? La réponse à cette question n'est toujours pas claire. En 1915, une rumeur veut que Nikola Tesla et Thomas Edison reçoivent conjointement le prix Nobel, mais la rumeur s'avère fausse. Deux ans plus tard, Tesla reçoit la médaille Edison, décernée par l'Institut américain des ingénieurs électriques. Toute la crédibilité que cette récompense aurait pu lui apporter est vite détruite par la propension de Tesla à se vanter que Wardenclyffe peut être utilisé pour modifier les conditions atmosphériques. Pendant la guerre, ils ont démoli la tour parce que les militaires croyaient qu'elle servait à espionner. Deux ou trois charges de dynamite ont été nécessaires pour la faire tomber. Elle était si bien construite qu'ils ont eu du mal à la démolir. Mais avant que la tour ne soit détruite, on a fait des expériences sur les ondes scalaires. Tous les oiseaux, les mouettes, avaient déserté la région dans un périmètre de 30 km. Les pêcheurs se sont plaints qu'il n'y avait plus de poissons dans une zone de 15 à 25 km pendant que la station opérait. Les animaux avaient le même comportement étrange que l'on peut observer durant le jour ou les heures qui précèdent un tremblement de terre. La tour, si chère à son cœur, désormais détruite, Tesla se retire dans son laboratoire et se livre à des expérimentations autrement plus complexes et dangereuses. Le 11 juillet 1934, le New York Times rapporte que Nikola Tesla a mis au point un rayon de la mort, une arme à faisceau de particules qui peut détruire 10 000 avions à une distance de 400 km. Tesla soutient qu'une usine de production peut être construite en 3 mois au coût de 2 millions de dollars. Mis à part ses capacités offensives certaines, Tesla croit que s'il peut construire 12 de ces tours, cette arme aura un pouvoir de dissuasion suffisant pour mettre un terme à toutes les guerres. Le fameux rayon de la mort de Tesla n'a pas été pris au sérieux par la communauté scientifique, en grande partie parce qu'on ne comprenait pas son fonctionnement.
he didn't receive some of the respect by the scientific community that he may have well deserved. Je pense qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens croient que le rayon de la mort est un truc un peu ésotérique que l'on voit dans les films de science-fiction. Le rayon de la mort terrifie le public, mais fascine Hollywood. Tesla est caricaturé dans les dessins animés de Superman comme le prototype du savant fou qui terrorise la ville de New York avec son rayon de la mort et une armée de robots contrôlés à distance. Le rayon de la mort inventé par Tesla dans les années 30 était une arme qui projetait un faisceau de particules. Basé sur le principe de l'accélération électrostatique des particules chargées, ces expériences sont similaires à celles pratiquées aujourd'hui par le département de la Défense. C'est une particule, un microprojectile qui, lorsque soumis à une haute tension, atteint une très grande vélocité. Comme la vélocité est très élevée, la particule n'a pas besoin d'être très grosse pour être une arme très dangereuse. Si on regroupe ces particules en faisceaux, on obtient une arme très puissante qui peut frapper un missile dans l'espace, par exemple. Avec seulement 12 de ses installations situées à des endroits stratégiques sur le territoire américain, Tesla clame que sa téléforce est une défense extrêmement efficace contre tout attaquant. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain s'intéresse activement au rayon de la mort de Nikola Tesla. Parce qu'il était un patriote, Tesla a offert ce système au gouvernement américain. Le gouvernement des États-Unis a commencé à développer cette arme à faisceau de particules dans les années 40. Nous ne connaissons ni l'ampleur ni les résultats de ces recherches, mais nous avons maintenant accès à des documents qui ont été rendus publics sous le Freedom Information Act. Et l'on constate le vif intérêt du gouvernement américain pour l'arme inventée par Tesla. Le New York Times déclare que le rayon de la mort, en projetant des rayons de particules à travers l'espace, peut causer la mort de millions de soldats, et que c'est à ce jour incontestablement la plus grande invention de Tesla. Mais Tesla fait volte-face et décide de rendre impossible l'exploitation de son invention par un seul gouvernement. Il morcelle ses plans et les distribue comme les morceaux d'un casse-tête à assembler. Il les donne au gouvernement anglais, canadien, américain et russe. Ils devaient se consulter et se mettre d'accord avant d'avoir une vue d'ensemble sur l'invention. Il s'était rendu compte que les gens n'étaient pas assez matures pour avoir cette information. C'est la raison pour laquelle Tesla avait forcé ses gouvernements à dépendre les uns des autres. Il existe des preuves que Tesla avait donné une partie des plans aux Russes qui étaient à l'époque nos alliés. Dans les années 70, la revue Aviation Week publie un article sur l'arme à particules des Soviétiques. Le rayon à particules de Tesla n'a été rendu public que 10 ans plus tard grâce à Andrea Plutarch. Les plans des Soviétiques étaient identiques. Le général George Keegan, chef du service de renseignement de l'armée de l'air américaine, nous décrit le modèle soviétique. Le petit tube magnétique projette des rayons de protons. Et chacun à 100 milliards de volts à un niveau énergétique de 10 exposant 10 joules. C'est une quantité d'énergie telle que personne jusqu'ici aux États-Unis n'a jamais pu l'égaler. Il suffit de déployer ce rayon, cibler un objet et tirer. Le 16 mai 1935, Nikola Tesla fait parvenir aux scientifiques et aux ingénieurs russes une proposition concernant la haute tension et l'accélération des particules. En novembre de la même année, il reçoit en retour une longue liste de questions. Les historiens militaires croient que dès 1968, les Soviétiques ont complété à 100% leur programme de défense spatiale. J'ai appris de sources très sûres qu'en 1977, les Soviétiques s'apprêtaient à tester dans l'espace le laser le plus puissant de l'histoire, 10 fois plus puissant que tous les lasers développés aux États-Unis. Lorsque je suis devenu chef du service de renseignement de l'armée de l'air américaine, le premier geste que j'ai posé a été de déclarer que notre priorité numéro un serait de développer un tel projet. Nous avons rencontré 40 ou 50 des meilleurs physiciens nucléaires du monde libre, du calibre de Edward Teller.
Pendant 6 ans, avec un budget de 60 millions de dollars, ces scientifiques ont travaillé un projet secret, nom de code, Projet CISA. Leur but, développer un rayon à électrons qui soit capable d'abattre un engin balistique à portée intercontinentale. Ils ont échoué. Aujourd'hui, la Maison-Blanche et le département de la Défense gardent un silence embarrassé alors que les techniciens et les scientifiques qui ont participé à ces recherches s'aperçoivent qu'après analyse, ils ont peut-être trompé les attentes de la population américaine. Le président Reagan, en élaborant sa stratégie de défense, cherche-t-il simplement à combler l'écart entre Américains et Soviétiques? All we can do is make sure the technology becomes the ally and protector of peace. That we build better shields rather than sharper and more deadly swords. In so doing, maybe we can help to bring an end to the brutal legacy of modern warfare. Le retard des États-Unis dans la course aux armements fera en sorte que les découvertes de Tesla ne seront adaptées que 100 ans plus tard, dans un but à la fois de défense et d'attaque. La dernière en liste, les rayons à particules installés sur des satellites. Les documents qui décrivent la technologie pour construire la machine anti-guerre ont été finalement publiés par la société internationale Tesla. Ces renseignements sont donc aujourd'hui du domaine public. Le plus extraordinaire, c'est de constater à quel point le programme Guerre des étoiles et les armes à rayons qui y ont été développées sont presque identiques à celles proposées par Tesla. Lorsque j'ai eu ces documents en main, je les ai soumis à des experts en aérospatiale et je leur ai demandé d'analyser cette technique pour générer de l'électricité à haute tension. À l'époque, la firme aérospatiale pour laquelle je travaillais faisait des recherches technologiques sur le rayon à particules. Un groupe d'études élaborait des propositions à soumettre au gouvernement américain sur les armes à composantes énergétiques. J'ai donné ces documents à l'équipe de recherche et je leur ai demandé de les analyser. On m'a répondu que c'était intéressant et on ne m'a rien dit de plus. Tesla avait certainement en tête une foule d'armes très puissantes. Je pense que je peux me permettre de dire que les armes existent et que plusieurs pays les possèdent. Nous savons que les Russes se sont intéressés très tôt à des choses comme l'énergie à partir de l'espace. Ils étaient aussi très intéressés par les applications militaires. Qu'est-il advenu du rayon inventé par Tesla? Nous n'en avons plus entendu parler. Cette arme est peut-être soit au rencard ou actuellement utilisée. Peut-être est-elle en orbite. Nous l'ignorons. Il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui, les Russes possèdent de telles armes. Et si ce que j'avance est vrai, et j'en suis absolument convaincu, 3 autres pays possèdent ces armes et surveillent activement la Russie. Ces 3 pays sont sympathiques aux États-Unis. Et je pense que cette situation a joué énormément dans la chute de l'Empire soviétique. 3 autres pays sont aujourd'hui en train de développer ce que j'appelle les armes Tesla, ou les armes à fréquence électromagnétique. Et ces nations sont hostiles aux États-Unis. Cette nouvelle donnée est assez inquiétante. Dans un article publié le 3 novembre 1998, Bill Gates du Washington Times écrit « L'armée chinoise est en train de construire des armes au laser et possède déjà des armes de rayons à particules capables de mettre hors d'usage les capteurs des systèmes de reconnaissance situés dans l'espace. Si l'armée de libération populaire possède de telles armes, qu'en est-il des États-Unis? Sous le couvert de l'anonymat, ce SEAL de la marine nous en parle. » Nous possédons des armes de rayons à particules. Je les ai déjà utilisées au cours de tests sous-marins au large de la côte californienne. Leur puissance est stupéfiante. Elles peuvent anéantir un satellite, un bateau, un avion, n'importe quelle cible. Dans cette course aux innovations technologiques, il semble que le rayon de la mort n'est pas la seule invention secrète de Tesla qui soit disparue avec lui. Le 4 juillet 1976, lors des célébrations du bicentenaire des États-Unis, un étrange signal radio est capté. L'onde radio de haute fréquence sera baptisée le signal Pivert par les services de renseignement américains. Tout ce que l'on sait sur ce signal, c'est qu'il provient d'un émetteur situé en Lettonie.
Les Soviétiques ont mené des expériences en vue de créer une aurore artificielle. Je ne sais trop pourquoi, mais je pense que c'était pour prouver qu'il était possible de projeter de l'énergie à très basse fréquence au loin, à l'horizon, et provoquer certains phénomènes. On peut reproduire l'effet qu'aurait une substance chimique sur un organisme vivant en utilisant des fréquences électromagnétiques extrêmement basses. Personnellement, je crois que ces expériences visaient à développer une nouvelle façon de communiquer avec leurs sous-marins. Le 13 juillet 1977, à 21h19 précises, le signal Pivert cesse brusquement. Une étrange couronne se forme alors autour de la centrale électrique Edison qui dessert la ville de New York. La ville entière est soudainement plongée dans le noir, créant une situation de chaos et de confusion. Les effets de la panne de New York s'apparentent à ceux de Colorado Springs durant l'expérience de Tesla où des générateurs électriques surchargés avaient sauté. Lorsque la panne a commencé, les New-Yorkais se sont mis à se comporter de façon étrange. New York est devenu un endroit très dangereux. Un vrai casse-tête pour les policiers. Le secret de Tesla était-il que l'électricité pouvait affecter l'état mental de l'être humain? Si oui, ce secret était-il tombé entre de mauvaises mains? Qui est responsable du fameux projet HARP, inspiré par les découvertes de Tesla? Certains experts pensent que ce projet a été créé par le gouvernement américain et qu'il est le premier jalon d'une nouvelle ère dans la technologie militaire. La science est-elle au service de la guerre ou de la paix? Tesla se décrit comme un découvreur bien plus qu'un inventeur. Mais découvrir des choses implique une certaine responsabilité. Et Tesla n'était pas sans l'ignorer lorsqu'il a développé cette nouvelle technologie militaire. Plusieurs pensent que Tesla a préféré garder cette nouvelle technologie secrète afin qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Le projet HARP existe à cause des théories qu'a élaborées Tesla au cours des années 30. Il savait qu'il était possible de stimuler le champ magnétique de la Terre pour créer un bouclier capable de protéger une ville. Le projet HARP est au départ une expérience en physique atmosphérique, où un immense réseau d'antennes émet dans l'ionosphère de la planète une série très très complexe d'ondes. Et ces ondes sont spécifiquement conçues pour se conjuguer avec l'ionosphère, qui est une cavité de résonance. Cette théorie implique de chauffer l'ionosphère comme le ferait un four à micro-ondes géant. Une petite pulsation d'un certain nombre de watts peut provoquer une grande pulsation parce qu'il est possible, de façon fortuite ou intentionnelle, d'utiliser l'énergie qui nous entoure et qui circule à travers nos corps et qui se retrouve partout dans l'espace. Le concepteur du projet HARP a d'abord conçu un bouclier défensif qui agite en grillant les systèmes de guidage électronique des bombes ennemies. HARP a été conçu pour de multiples usages. Au départ, ce n'était pas une arme. Si vous lisez les brevets, vous verrez que je pensais d'abord à une utilisation défensive. Eastland soutient qu'en chauffant des portions de la haute atmosphère, HARP peut affecter la température globale de la Terre, une idée pour laquelle Tesla a été ridiculisé voilà presque 100 ans. Un des grands dangers du projet HARP est qu'en se concentrant sur une petite portion de l'ionosphère, on risque de créer une distorsion dans la magnétosphère de la planète, la magnétosphère étant le bouclier naturel de la Terre. Non seulement envoie-t-on de l'énergie dans l'ionosphère, mais on crée surtout un couloir par lequel l'énergie entière de l'ionosphère pourra revenir à un endroit précis sur la Terre. Cette énergie frapperait le sol comme la foudre, mais de façon 100 fois plus puissante que les éclairs que nous connaissons.
La force de cette foudre serait équivalente à l'éruption de 3 ou 4 monts St. Helens par seconde. La vraie puissance de Harp n'est pas encore connue et il n'existe aucune agence de contrôle civil. La possibilité que le projet Harp soit capable de créer d'immenses perturbations à l'échelle planétaire, incluant la modification des conditions climatiques, un réchauffement global de la planète et même le ralentissement de l'orbite de la Terre, nous aide à comprendre pourquoi Tesla a détruit les plans de son invention. Il a cessé de travailler à son projet de bouclier défensif en 1905 parce qu'il avait compris que son système des 5 tours érigé autour de la Terre pouvait causer la destruction de l'espèce humaine. Peu de temps après, Tesla éprouve de sérieuses difficultés financières. Ses investisseurs sont soit morts ou ont coupé les ponts. Alors qu'il sombre peu à peu dans l'oubli, il continue à faire des recherches de plus en plus ésotériques. Il était passablement obsédé par le phénomène de la résonance et voulait l'utiliser pour faire certaines expériences. En fait, pour détruire des choses concrètes. À un moment donné, il a fait une expérience sur un édifice en acier qu'on était en train d'ériger sur Wall Street. Il diffusait des ondes avec un petit émetteur qui n'était rien d'autre qu'une espèce de vibrateur mécanique qui fonctionnait à pile. Les poutres d'acier se sont mises à vibrer, un peu comme lorsqu'on donne une poussée à un enfant sur une balançoire. La structure d'acier oscillait de plus en plus. Il a presque réussi à déstabiliser la construction. Les ouvriers qui y travaillaient ont eu la frousse de leur vie. Ils croyaient faire face à un tremblement de terre. Ils ont prévenu la police. Tesla a eu peur. Il a rassemblé son équipement et s'est vite enfui chez lui sans demander son reste. Il a été victime d'un autre incident malheureux qu'aujourd'hui on trouverait anodin, mais qui à l'époque a été considéré comme très sérieux. Il avait capté des ondes radio en provenance de l'espace. On sait aujourd'hui que des ondes radio sont émises par les planètes. La nouvelle a bien sûr causé toute une commotion, et tous les scientifiques se sont dit « mais quel fou, quel illuminé !» There were rumors you went to Colorado Springs in order to contact Mars, is that true? I never intended to. However, I recorded certain electrical impulses of unknown origin, and these were repeated at constantly timed intervals. It's possible they were a kind of signal from space. And did you in turn send them a message? Ask the Martians that question. No more questions, please. Les gens ont cru qu'il devenait fou. Il nourrissait les pigeons dans le parc et il avait l'idée de transmettre des signaux sur Mars. Tesla a une pensée tellement complexe, il est si excentrique que peu de ses collègues comprennent l'ampleur de son travail. Il est perçu comme une personne arrogante et hautaine. Il a été rejeté par les autres parce qu'il était différent et à cause aussi de ses déclarations à l'emporte-pièce. Et lorsqu'il exposait ses théories, personne n'avait la moindre idée de ce qu'il voulait dire. Nikola Tesla aura vu de son vivant plusieurs de ses inventions étudiées puis adoptées par les militaires. Mais il devient de plus en plus apparent qu'en tant que citoyen de la planète, Tesla est au service d'une autorité beaucoup plus intemporelle. Il a rencontré Swami Vivekananda à New York à la fin des années 1890. Swami Vivekananda était probablement le premier yogi à venir en Amérique pour présenter la philosophie orientale à l'Occident. C'est au cours d'une de ses conférences que Tesla s'approprie la terminologie sanscrite et intègre des notions telles que la prana, akasha et celle de l'éther. Ces termes nouveaux lui serviront à décrire la physique de l'univers et celle de la création de la matière dans notre dimension. Dans plusieurs de ses lettres, il dit que s'il avait à choisir une religion, il serait bouddhiste. Toutes ses pérégrinations dans les mondes parallèles, celui des rêves, des machines qu'il imagine dans son esprit, sont des manifestations similaires aux expériences des chamans. On sait que les solutions lui venaient souvent quand il rêvait. La vision de l'univers de Tesla, sa cosmologie, si je peux me permettre, est basé sur un point de vue spirituel.
Et c'est dans la tradition védique qu'il a trouvé la terminologie spirituelle qui lui a permis de traduire ses idées sur le monde physique. On ignore ce qui a pu provoquer cette prise de conscience spirituelle chez Tesla, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'est pas le seul parmi les esprits de premier plan à avoir eu cette illumination. Il suffit de penser à Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, ou à Albert Einstein, qui ont tous les deux reconnu à la fin de leur vie la singulière perfection de la vie sur notre planète. Il tentait de comprendre l'énergie et la résonance. Quelle est la nature de l'énergie dans le cosmos? Quelle est la quintessence des énergies qui nous viennent de nulle part et qui peuvent tout nous donner? Je pense que ce sont quelques-unes des questions qui hantaient Tesla. Lorsque Tesla s'éteint à l'âge de 87 ans, son héritage, plus de 700 brevets importants, tombe dans l'oubli, ignoré par presque tous, sauf par le gouvernement américain. À sa mort, les possessions de Tesla seront mises sous scellé dans un entrepôt gouvernemental pendant 10 ans. Des rapports officiels confirment que tous les documents de l'inventeur ont été microfilmés durant cette période. Et pourtant, aucune agence gouvernementale contactée à propos de l'existence de ces microfilms ne veut confirmer ou infirmer cette information. 10 ans après la mort de Tesla, le gouvernement américain nie avoir trouvé dans les papiers de Tesla des plans d'armes secrètes. Pourtant, les rumeurs quant à l'existence de tels plans persistent encore de nos jours. Mis à part le sort qui a été réservé aux découvertes secrètes de Tesla, ses inventions brevetées continuent à influencer notre vie, l'environnement, la science et la médecine d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ce que Tesla avait en tête et que, tout compte fait, les découvertes secrètes de Nikola Tesla devraient rester justement secrètes. Tesla était en désaccord avec les scientifiques à propos de certains concepts de base des théories de la relativité et de la mécanique quantique. Il a perdu la faveur de la communauté scientifique de l'époque. Tesla connaissait à fond la mécanique quantique et la théorie de la relativité de Einstein. Ces deux théories ont été élaborées de son vivant. Il soupçonnait que tôt ou tard, ces théories seraient confrontées à une crise. Et c'est pourquoi il répétait souvent que le temps présent est à eux, mais le temps futur sera à moi. Albert Einstein disait aussi qu'il existait une foule de théories dans le monde et qu'elles n'étaient qu'un prélude à une découverte majeure dans le monde de la science et de la physique. Je crois que la science d'aujourd'hui aurait besoin de reconsidérer les théories de Tesla, parce que l'univers est plus complexe que ce que nous en savons et que nous sommes capables d'observer avec nos instruments. En tant qu'espèce pensante, nous avons atteint une étape dans notre évolution et nous sommes à deux doigts de comprendre et de manipuler l'espace, le temps et la gravité. Nous sommes à la veille d'une révolution technologique. Nikola Tesla était un homme de génie. Certaines de ses découvertes lui vaudront une réputation de savant fou. D'autres le hisseront au panthéon de la science et d'autres encore changeront notre façon de vivre sur notre planète. Rappelez-vous la prochaine fois que vous ouvrirez votre téléviseur ou votre radio que c'est grâce aux découvertes de cet homme. Vous pourriez aussi tenter de vous imaginer un monde où l'énergie serait accessible à tous, sans restriction, un monde sans fil. Et c'est ce monde qui nous a échappé lorsque nous avons perdu Nikola Tesla et ses éclairs de génie.